Coucou! Ça va bien? J'ai comme un petit bug là. Gay. Non mais ça marche, on dirait. Ok. Salut Shirkan, salut Eldenia, salut Dom Doc, comment ça va? Ça roule? Écoutez, j'ai commencé un peu fort, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est bon, ça a l'air de marcher. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis trop de temps d'attente parce qu'on va régler le micro. Parce que hier, je me suis rendu compte de. Déjà, quand j'ai changé et que j'ai pris le micro-casque que j'ai reçu hier, vous m'avez dit que vous m'entendez mieux. Alors que j'ai payé mon Rode presque 300 euros, ça fait mal. Que dans l'autre sens, vous entendiez mieux avec un micro-casque à même pas 100 euros. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci. Et je suis allée m'écouter dans les retours de live des personnes avec qui j'avais parlé pendant ma session sur GTA. Effectivement, on m'entend pas très bien quand on est chez les autres. Et j'ai comparé mes deux retours de live, celui quand je suis ici et celui quand je suis là-bas. Effectivement, on m'entend bien mieux là-bas. Même si le micro, on entend aussi quand je parle et tout, là, c'est chiant. Je me disais, c'est pas normal en fait que ce micro-là, il soit noté comme étant à fond partout sur mon PC. Et que. Et ouais, là aussi, il est à fond, je comprends pas. Donc, je vais essayer de voir un truc. On va régler des trucs ensemble. Et après, on va partir sur GTA. Le micro-casque reste collé à ton visage. Donc, si tu veux, ça. Oui, mais. Ça me ferait chier d'avoir payé un micro-perche qui est génial et qui soit pas bien réglé et que du coup, on m'entende mal, tu vois. Et puis, la qualité sur ce micro-là est quand même mieux, quoi. Tandis que sur pièce, tu recules, bah direct ça se ressent. Ouais. Normalement aussi, bah voilà, il devrait être toujours à cette distance. J'hésite à le mettre au-dessus. Je sais pas si vous m'entendriez mieux. Je pense pas. Je pense que vous m'entendez quand même mieux quand il est là, mais je suis pas sûre. Et puis, genre, on va essayer. On devrait pas le voir le micro. Bah là, vous le voyez pas. Salut Dakael, comment ça va? Alors du coup, on va juste régler un peu les micros avant de commencer, parce que bon, du coup, en haut, tu trouves que le son est mieux, Deito? Attendez, je vais faire ça alors, peut-être au-dessus et puis le pencher. Au-dessus comme ça, c'est meilleur. Bon, c'est déjà un point, parce que moi je le mettais toujours en dessous de moi. Hop, on va le positionner correctement. Qu'il soit pas dans le champ, parce que. Bah écoutez. Hop. Aïe 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 aïe. Désolé, hein, ça fait un peu de bruit. C'est juste le temps que je le mette correctement. Voilà, parce que là, ça bouge. C'est pas bon quand ça bouge. C'est chaud de pêcher mes chemises. Non, non. Zarkon. Zarko, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo. Ça fait juste mal aux oreilles quand il cafouille. Ouais, je suis désolée, je suis obligée en fait. C'est comme je vous ai dit, début de live, on règle ça parce que c'est pas normal qu'on m'entende si mal. Oups. C'est pas normal que je m'entende si mal sur mon retour de live, quoi. Bon, là, vous m'entendez correctement. Mais là, le problème aussi, c'est que le son est bien meilleur là maintenant que c'est en haut. Bon, écoute, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai toujours mis en bas, mais apparemment, c'était pas le truc qu'il fallait faire. J'ai toujours mis en dessous de moi. Effectivement, j'ai quand même. Il y a beaucoup de personnes qui le mettent en face, il y a beaucoup de streamers qui le mettent en face d'eux, et moi, je l'ai mis en face aussi, mais apparemment, bah, chez moi, c'est peut-être pas isolé pareil que chez eux. Donc, du coup, là, c'est mieux. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Je vais peut-être essayer de mettre un filtre. T'as une voix assez aiguë. Les aigus montent. Ah, d'accord. Putain, j'ai appris un truc.
Je savais pas que les aigus, ça montait en l'air. Bon, alors il y a des filtres. Je vais regarder si qu'il y a un filtre pour gagner du son. Et effectivement, j'ai pas mis de filtre sur ce micro. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que c'est mieux? C'est le bon niveau là, c'est trop fort. Hop. Là comme ça, c'est bien alors. Coucou l'Amérique, comment ça va? Là comme ça, c'est bien. Salut Psycho FR, comment ça va? Psycho FR, parce que c'est pas notre petit Psycho 17 qui est avec nous, c'est un autre Psycho. Bon, du coup. Sinon, ça peut le faire avec ton truc. Faut juste le baisser. Ouais, bah ça dépend en fait, je vais pas en mettre si vous m'entendez déjà bien. Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que, par exemple, quand je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez correctement? Que je sois pas obligée de gueuler comme une vache. Hola Macrigato, comment ça va? Bon, alors du coup, ça, mais par contre, je sais aussi ce qui va pas. Dans mon TeamSpeak, les premières fois où on m'a dit salut Simarius, excuse-moi, Simarius. Putain, je. Désolée, je galère avec vos pseudos, mais voilà. Du coup, mais oui, bonjour aux nouveaux arrivants, ceux qui nous ont rejoints hier, bienvenue chez nous, ça fait plaisir. On entend bien, mais il n'y a aucun bruit autour, faudrait voir un jeu, effectivement. On va passer la première partie du jeu, on va parler à des gens, on verra si vous m'entendez bien, s'il faut que je monte le son. Salut Arkiz. Oui, nickel. Tom Duck. Bon. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que j'ai remarqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours sur Adastra, quand on a dit à Lila qu'elle parlait trop fort. Merci Rafou72 pour le follow, bienvenue dans la famille. Ça se prononce Chimérius. D'accord, excuse-moi. C'est latin en fait. Hop. En tout cas, bienvenue chez nous. Alors du coup, ce qu'on va faire. Merci pour les 5 personnes qui ont follow pendant que le live était off. Et puis merci Rafou72 aussi pour ton follow. Et ce chiffre absolument énorme de 233 follow sur la dernière session. Sans spécialement test sur GTA, mais même un autre jeu. Bah de toute façon, je vais lancer GTA, donc on va tester sur GTA. Mais il reste pas que le problème, c'est surtout inventé par moi-même. D'accord. Bah, bienvenue sur le live, Chimérius. Et c'est comme les chimères alors? Parce que ça m'intéresse. Nous, on aime bien les chimères, les trucs comme ça, ici, sur cette chaîne. Merci Gravity Falsal pour le follow. Bienvenue dans la famille aussi. Alors, ce qui va se passer, c'est que, du coup, là, en fait, juste... je sais qu'en fait, les premières fois où j'étais sur GTA, et qu'on disait à Lila qu'elle parlait trop fort, j'avais pas compris que c'était en mode chuchoter ou quoi, parce que j'avais pas vu que c'était présent sur Adastra. Et j'ai baissé mon son dans le TeamSpeak. Ce qui fait que les personnes m'entendent pas très bien dans le TeamSpeak. Donc, je vais aller changer remettre le son par défaut dans le TeamSpeak. Merci Mr. Weirzy pour le follow aussi, bienvenue dans la famille. Vous êtes bienvenue à tous, hein. Installez-vous. Allez chercher un petit truc à boire, un goûter, c'est l'heure du goûter là. Oh, c'est plus que l'heure du goûter là, c'est bientôt l'heure de manger. Arkiz, un couple avec Mich Mich, mais vous avez pas fini non? Bande d'obsédés. Alors du coup... J'aime bien le concept d'être hybride. Merci Lozé aussi pour ton follow, bienvenue dans la famille. Je vais remettre le son des alertes les gars, j'ai coupé le son des alertes. Alors du coup, attendez, je m'occupe juste de remettre le son déjà de mon TeamSpeak correctement. Ah. Alors, désolé, c'est le test le plus pourri de la planète, mais... Désolée, je fais des petits tests en truc comme ça. merci pour le follow, Yazrog aussi. Je vais remettre le son d'alerte follow dans 2 secondes, donc j'aurai fini de faire ça.
Comment ça se fait que je peux pas... J'avais réussi à baisser mon son de... Salut Calamastia! Elle a tout cassé? Non, j'ai pas tout cassé. J'ai l'impression qu'on m'entend pas bien en fait. J'ai entendu mon retour sur d'autres joueurs, sur d'autres streams et mon perso a une voix dégueulasse par rapport aux autres personnages en fait. Et coucou Steph, comment ça va? Du coup, on prend juste 2 secondes pour régler le micro sur Adastra. Mais en fait, je crois que je l'avais jamais baissé parce que c'est pas possible. Donc j'ai dû baisser la lecture en fait, mais pas la capture. Écoutez, vous allez entendre comment on m'entend En en jeu, jeu, je je parle parle pas pas comme comme ça. ça. En En jeu, jeu, je je parle parle comme comme ça. ça. Ça Ça va? va? On On m'entend m'entend bien bien quand quand même. même. Ça Ça fait fait bizarre, bizarre, putain. putain. Ok, ça marche. Bon, désolée pour ce test un peu chelou. Ouais, on m'entendait en écho parce que vous m'entendiez, plus moi je m'entendais dans mes oreilles. Bon, ça c'est fait. On va se dépêcher de remettre le son sur les alertes aussi. Mais je vais le garder à portée de main parce que si ça fait comme. Je sais pas. Écoutez, sa voix, ça fera toujours bizarre, peu importe le micro. C'est vrai, c'est comme se voir en vidéo, ça fait toujours étrange. Hein. Ça va aujourd'hui? Vous allez bien? C'est le début du week-end? Vous êtes content? Moi, je suis plutôt contente. J'avoue, j'aime bien le week-end. Ah, j'ai pas beaucoup de connexion. Je vais aller sortir ma box. Je vais aller mettre ma box dehors. Ça, bonsoir Silence, comment ça va? Je vais aller mettre ma box dehors. On rallume les alertes avant ça. C'est plus important parce que hier j'ai coupé mes alertes de follow. Les autres, j'ai laissé. En fait, je les ai laissées, mais j'ai juste coupé le son. Dakel, tu relis le règlement pour pouvoir passer ma deuxième chance. Ouais, le test d'entrée est assez hard. Hein. Mais bon, tant mieux après comme ça, tu sais une fois que t'es rentré que. Qu'est-ce qui fait plaisir, Dom Doc? Alors, je vais faire un test. Ah ouais, j'ai pas appliqué le son, donc ça peut rien changer du tout. Charlie Chaplin, salut! Bien dormi? Ouais, ça va. 6 minutes 65% de réponse. C'est stressant plus qu'autre chose, ouais, grave. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a que 6 minutes. C'est stressant, en fait. J'ai bien dormi, Charlie Chaplin, merci. Demain, je vais vers Toulouse en vacances. Une semaine. Mais alors, Calamastia, tu seras là pour le Toulouse Game Show. C'est obligé. Tu vas venir, du coup. J'ai pas encore fait le truc SCP Charlie Chaplin et j'hésite à le faire plus tôt demain, du coup. Parce que là, on allait partir sur GTA, je sais pas ce que vous en dites, sur GTA ou le truc SCP, je sais pas quoi. Je ne sais pas. J'avoue que j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu repars vendredi matin, bah c'est malin ça. GTA SP. Ah, on peut faire ça. On peut faire que Lila. En fait, elle est. On va faire ça. Alors écoutez ce qu'on va faire. Pour intégrer l'enquête SCP dans GTA, on va faire que Lila, elle a reçu un dossier à analyser. Et c'est mon dossier à moi, Marion. Marion, je lui ai envoyé à Lila mon dossier en lui disant, voilà, sur mon live, il y a quelqu'un qui est passé, qui a mis des commentaires bizarres dans mon chat.
Lila, est-ce que tu peux mener l'enquête? Alors attendez, je vais sortir ma box parce que là j'ai ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a des ralentissements. Le bon système de galérien. Putain, je déteste ça, on le voit dans le fond en plus, je vais essayer de le planquer un peu. Salut Zeldrock, bienvenue sur le live. Et coucou Arctor, remise de tes péripéties d'hier, oui. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Salut Psychofrag, joli ce soir, merci. Merci pour ton follow Mathieu aussi. Je vais essayer de mettre bien le fil derrière, ça m'agace. C'est moche, mais je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc tant pis. Putain, ça m'agace. En plus, le truc, il est en plein dans l'angle de vue, quoi. Il y avait une solution, non? Merci, Zeldrock, pour ton follow. Frosse-moi. Mimi, tu vas encore mourir 20 fois. Non, mais... ça, c'est un talent particulier qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle meurt de façon inopinée, un peu tout le temps. Volume du follow un peu trop fort, là, peut-être, non? Non, alors ce fil, c'est insupportable. C'est insupportable, je vais essayer de trouver une autre solution. Salut Nico! Non mais c'est pire là, putain! Je reviens. Là, au moins, il y a mon fauteuil devant, on s'en fout. Pas de lag, princesse, non, c'est normal. J'ai sorti la box sur la petite fenêtre, elle est. Mais bon, du coup, comme à chaque fois que je mets la box sur la petite fenêtre, il y a mon fil qui dépasse juste là, tu sais, donc en plein milieu de la cam. Voilà, donc on l'a mis de côté. Les gens, s'ils viennent sur Twitch, c'est pas pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, pas pour ta déco. On va y arriver. Merci, c'est gentil, mais moi, ça me perturbe de voir ça dans mon retour. Comment vas-tu? Ça va bien? Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée du siècle. Qui c'est qui a combiné dans le truc? Salut, un t-shirt, comment ça? Va. Il n'y a pas encore de récap, un t-shirt. Ça sera fait bientôt, j'imagine. Hop, Charlie Chaplin, il a dit GTA SCP. Et du coup... ouais, nié. Exactement. Nié. Bon alors, du coup, arrêtez de faire n'importe quoi. Voilà ce qu'on va faire. Prenez-moi au sérieux, j'ai un stylo licorne. J'en ai aussi un avec un flamant rose. Du coup, on va... Oh non, il est collé dans ses poils. J'ai pas dit ça comme ça en plus. Je sais, mais moi j'ai... Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Pour pouvoir combiner l'enquête SCP et GTA, on va... moi, Marion, je vais passer mon dossier à Lila et je vais lui dire, mène l'enquête sur ce mec... SCP, il a laissé des trucs dans mon chat, des trucs chelous et tout. Donc, c'est Lila qui va faire l'enquête. Et on va ensemble regarder ce que le mec qui s'appelle SCP-1584
a laissé comme message. Donc voilà, on va commencer le jeu et elle va trouver un endroit pour étudier et pour étudier le dossier. Et là, je ferai le partage d'écran, on regardera les preuves que vous avez sauvegardées, des conversations de SCP et on fera une enquête, une vraie enquête ensemble. Parce que bon, on la met dans GTA, mais il faut savoir que c'est pas moi qui ai romancé ça. C'est une genre, des fois, j'invente des contenus pour que vous fassiez des enquêtes avec moi. Cette fois-ci, c'est pas un truc que j'ai inventé. C'est un truc qui est vraiment bizarre et qui se passe sur mon chat. Et ça fait plusieurs fois que cette personne vient et j'ai de moins en moins l'impression que c'est un être humain. Je pense vraiment que c'est un truc bizarre. Alors on sait pas quoi, mais on va mener l'enquête ensemble. Mais du coup, déjà, on va partir sur GTA. Je sais que j'ai un peu cinglé à dire ça, mais laissez-vous prendre au jeu, ça va être sympa. Bon, sur ce, on enlève l'étiquette du flamant rose, c'est notre nouveau stylo d'enquêtrice, et puis on va se mettre en route. Parce qu'on a des choses à faire. C'est pas tout de glander là et de crier sexe à tout bout de champ, mais on a du boulot, hein. Gigi, fan de toi, oh, ça me touche, merci. What the fuck, où est-ce que je suis tombée? Bah, tu vas être bien ici, Chimerius. Reste avec nous. Arrête de te perturber. Je sais que... Attendez, je vais dire un truc avant de commencer. Je sais que ça paraît cinglé, et il y a très forte chance que le mec qui s'appelle SCP et tout ça soit juste un troll qui a fait un truc bien élaboré, parce que le mec a fait une chaîne Twitch qui colle avec l'histoire que je suis en train d'inventer sur lui, enfin que je suis en train d'inventer ou qui tourne autour de lui. Du coup, en fait, il rentre dans le jeu. Alors soit il rentre dans le jeu, soit c'est vraiment SCP, ce qui fait que c'est encore plus bizarre, tu vois. Et je voulais vous dire, je sais que... ça paraît dingue et tout ça, et évidemment c'est probablement un mec normal. Mais laissez-vous prendre au jeu, ça sera bien plus fun de penser que c'est peut-être un truc paranormal, ça sera bien plus rigolo de mener une enquête en se disant que c'était un truc bizarre. Étant donné que moi-même je connais pas la fin et que je sais pas ce que c'est et je sais pas ce qu'ils veulent dire les messages, ça sera toujours marrant à décoder, ça sera toujours marrant de faire l'enquête, de se renseigner sur cette personne, d'aller voir sa chaîne Twitch parce qu'il y a des choses étranges dessus. Du coup voilà, laissez-vous prendre au jeu, ça sera tout sympa, merci Wolverlock pour le follow. Ah oui, alors du coup par contre tant que ça c'est ouvert, ben, ça va se mettre en deux fois. Bon, j'ai coupé ça alors. Voilà. Sexe toi-même. Bon, vous êtes parti, on part sur GTA, on fait comme ça alors, on combine les deux comme ça là. Hop, c'est parti. C'est la synonyme combinaison. C'est le geste qu'on fait quand on combine des trucs. Alors, on va quand même ouvrir Discord si jamais il se passe des trucs importants qu'on soit tenu au courant. On a ouvert TeamSpeak. On est en attente de Switch Game. C'est parti, les amis. Bon, voilà. C'est reparti. On est reparti avec Lila. Et cette fois-ci, on est parti sur une bête d'enquête. Hein, parce qu'en plus de notre enquête sur la substance gluante, l'extoplasme. Je suis tellement foirée, putain. Et ben du coup, on va en plus de ça mener l'enquête. Oh, mon petit witness! Une déclaration, oh là là. Witness qui sait toujours aussi bien écrire. Ban witness, tout de suite. Comment ça va, mon petit canard? Alors, c'est parti. Ouais, je prends une voix de fête foraine quand je... Bon, alors du coup ça va être trop cool. Alors du coup on a l'enquête sur notre ectoplasme, chelou là. Faut savoir que Dr Mishmish s'est barré avec l'échantillon, hein. Ça, on le sait déjà, il nous l'a pas rendu, bah, pas parce qu'il a pas voulu nous le rendre, hein, mais il a juste zappé en fait. Donc on va essayer de retrouver un échantillon, et où est-ce qu'on va trouver ça à votre avis? Je vous laisse deviner. Oh, mais Witness, il fait chaud chez moi, en fait. J'ai ma salle de bain à côté, et quand j'ouvre ma porte, toute la vapeur de la douche vient dans ma raison. Dans ma maison. Dans mon salon. Dans mon studio. Ma chambre bureau. Et du coup, j'ai chaud. De toute façon, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis en live, je parle beaucoup et je bouge beaucoup, ce qui me donne extrêmement chaud. Bon là vous allez avoir deux chansons en même temps, enfin deux petites musiques en même temps pendant un instant. Soyez patients, c'est bientôt fini. Après il n'y en aura plus qu'une sur les deux. Et non, Chimerus, mais alors on m'a déjà dit ça 1000 fois, mais apparemment j'ai la même voix qu'elle, mais c'est pas moi. Je suis désolée.
c'est pas moi cette fille, et elle avait l'air d'avoir effectivement un RP que j'aime beaucoup. J'aurais... Mais du coup, j'ai fait les mêmes genres de choses en fait. J'ai fait les mêmes genres d'enquêtes qu'elle et tout, et bon, du coup, le truc c'est que toutes les enquêtes paranormales sur GTA elles ont été faites, alors maintenant je reprends des trucs qui existent dans GTA et on essaye d'inventer des nouveaux trucs, ou alors j'intègre des vrais, enfin des légendes dans la vraie, de la vraie vie, des vraies légendes ou des vrais trucs étranges qui sont arrivés à des gens autour de moi ou que j'ai vu sur internet, et je les mets dans mon RP sur GTA, parce que tous les trucs paranormaux dans GTA, les extraterrestres et les fantômes, les mines hantées, tout a été fait en fait. Donc je lui retourne, par exemple la mine, on va y retourner, on va trouver des trucs dedans, sans trop vouloir vous spoiler. Mais voilà. Préparez-vous à couper votre son. Sachez que dès que je vais être connecté, ça va gueuler dans tous les sens. Vous êtes prêts? Ah, même moi j'étais pas prête alors que j'ai demandé si vous étiez prêts. Bon. Bon, on effectivement, on s'est pas déconnecté à l'endroit le plus sûr du monde. Hein. Et le stream, je crois, bonne soirée du coup. Witness! Putain, mais t'es pénible. Tu sais, un jour, tu vas prendre un ban pour des blagues, mais de merde en plus. T'es gay. Tiens-toi tranquille. La voix, elle délire d'enquête paranormale, surtout. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, en fait, les gens, quand ils m'ont fait passer mon entretien et qu'ils m'ont entendu ma voix, qu'ils savaient même pas ce que j'allais faire, ils ont cru que c'était moi. Et je leur ai dit non, j'ai jamais joué de perso, machin et tout. Et hop. Et en fait, genre, c'était vraiment pas moi. Et quand j'ai commencé à faire le truc paranormal, tout le monde m'a dit, mais Elodie est revenue en ville, mais c'était pas moi, en fait. Bienvenue, Crobra Mika. Bienvenue sur le live. Oh, mais Witness, tu vas le prendre, ton ban, bordel. Ah, j'ai un petit message, qu'est-ce que c'est? Ah oui, parce que c'est l'anniversaire de mon frère. Alors, sachez que mon frère, il dit jamais ce qu'il veut. Vous connaissez Pit, il passe des fois sur le live. C'est lui qui tient la caméra aussi pendant les urbex. Et sauf qu'il dit jamais ce qu'il veut. Il ne dit jamais ce qu'il veut. Et voilà, Witness, tu l'as cherché, ton ban, bordel. T'avais oublié que Steph était là, hein. J'ai les anniversaires caméra. Oui, oui, alors du coup, ce sera demain son anniversaire. Enfin, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, je vais lui renvoyer un message. Parce qu'il est passé sur mon live cette nuit. J'ai mis bon anniversaire caméra. Oh! On en parlait, il est là pour vous. SCP-1584 est de retour. Donc du coup, continuons notre petite enquête. Bonjour SCP-1584, je suis ravie que tu sois avec nous parce que figure-toi que c'est ce week-end qu'on enquête sur ton cas, mon petit SCP. Et qu'en creusant un tout petit peu, on a trouvé des trucs bizarres sur toi. Du coup, si t'es un vrai SCP, sache que nous sommes sur le point de te démasquer. Et si t'es quelqu'un qui est rentré dans le jeu, sache que c'est trop génial que tu sois rentré dans le jeu comme ça, parce que c'est trop kiffant de faire une enquête comme ça. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va emporter l'enquête SCP dans GTA, et c'est Lila qui va enquêter sur le truc SCP, et on va décortiquer tous les trucs. N'oubliez pas que quand SCP dit quelque chose, vous devez capturer la phrase qu'il a mis, faire une capture d'écran, et la poster dans le channel sur Discord. Ok, ok. Il y a un channel enquête SCP. Et vous collez tout ce que vous pouvez sur SCP-1584 dans ce channel. Et tout à l'heure, on va ouvrir le channel ensemble et on va faire l'enquête. Pourquoi tu es caché? Parce que... J'attends un ami, je suis accoudée au mur. Que sont devenus ceux que vous avez blessés? Je suis pas ton fier, c'est étonnant. Oh là là, Witness. Tu déboulonnes. Tu déboulonnes. Bon. Bon, du coup, Oui, on fera ça. Quoi, non, ça vous plaît pas? Moi, je suis bien contente. Je m'en fous, je le ferai quand même. Qui a un chat, là, sa mère. Oh, c'est toi qui as un chat, là. Oui. Ah ouais, il est où, le chat? Je l'ai ramené chez moi. Il est près de la plage, maintenant.
Ah oui, je voulais le voir et lui faire deux trois caresses, tu vois. Ouais, non, je l'ai mis en sécurité parce que les gens lui donnaient des coups de pied et tout, ils ont été vraiment méchants. En fait, Ah les oui. gens, ils ont cru que la... ils ont pas compris qu'il avait été retrouvé, que la récompense, elle avait déjà été donnée. Et du coup, ils essayaient de le kidnapper, lui donner des coups de pied, ils ont essayé de le séquestrer. Du coup, maintenant, je l'ai Ah caché. ouais. Ouais, non, c'est des malades. Il s'est fait victimiser sur le parking. Je leur disais, mais non, l'enquête, c'est fini, on a retrouvé le chat, on a déjà touché la récompense. Et ces bâtards, ils ont donné plein de coups de pied et tout. J'ai dû l'emmener en urgence se cacher, quoi, parce que c'était la Ah folie. ouais. Ouais, Mais 50 000 dollars, ça les a tous rendus Ah complètement ouais, fous. bah ça, tu m'étonnes. Ça, mais ça va, sinon il va bien le chat. Ben ouais, il va bien, à part les petits coups de pied, ça l'a un petit peu traumatisé, mais peut-être qu'un jour je pourrais le reprendre un petit peu pour faire des petits tours dehors, mais là je pense que pour le moment je vais le laisser en sécurité parce que le pauvre il a subi quoi. Ah ouais, mais vas-y, j'espère le voir quand même. Ben de toute façon, ouais, je pense qu'un jour il ressortira sûrement. Hein. Il aime Ouais, bien se moi aussi, balader c'est en bien. ville. Puis si jamais un jour je le repère, je ferai la même chose, je referai une enquête pour le retrouver et puis je mettrai une récompense. Mais bon là. Oui, ça marche. Là il est caché. Il est caché parce que vraiment les gens sont complètement dingues quoi. C'était. Comment on peut frapper un petit chat comme ça pour des sous quoi? C'est fou. Ah oui, c'est n'importe quoi. Mais tu les as frappés aussi, au moins, j'espère. Ben non, en plus moi j'ai pas de force et puis en fait ils ont attendu que j'ai le dos tourné en fait. J'étais partie faire pipi et ils en ont Ah profité pour frapper sur le chat. ouais. Après, c'est vrai que les femmes, ça a moins de force, quoi. J'avoue. Ça dépend des femmes mais bon. Ouais, il y a Moi des j'ai femmes. pas beaucoup de force Il y a moi. des femmes hommes et il y a des femmes, quoi. Ouais, Bonjour. bonjour. Voilà. Donc ouais, du coup désolé, je l'ai plus sorti avec moi. Non mais c'est pas grave, vas-y j'espère le voir quand même. Ben ça marche monsieur. Ouais, allez je vous laisse. Bonne journée, merci Ouais, merci bonne d'avoir pris journée. des nouvelles du chat. Ouais, tranquille. Il s'appelle Bootscotch en fait. Bout de scotch. Ouais, c'est son. Si jamais vous voyez un chat, vous criez Bootscotch et s'il vient vers vous, c'est que c'est lui. Ah ouais, bah ça marche, j'y pense réellement. Ça marche. Ouais. Allez, Au revoir, à monsieur. plus tard. Il m'a mis méga loin. Oh mon Dieu! Aïe aïe Je aïe. suis désolée! Oh merde! Aïe aïe J'ai cru que vous aïe. essayiez de me mettre votre main dans mon sac à main. Du coup, je suis désolée, c'était Ah réflexe. non. Je sais pas, vous aviez Aïe votre aïe. main tout près de mon sac à main. Vous allez bien? Je suis désolée, vous voulez que je vous amène voir un Aïe médecin? Attendez, j'ai aïe. des pansements à paillettes. Tenez. Hop, un petit pansement avec des paillettes là, comme ça. Hop, voilà, ça fait plus mal. Pansement Merci. magique. Aïe Mais non, ça fait plus mal. aïe. Bonsoir Ça revient, Bastien. ça revient. Ça y est, ça va mieux? Ah, ça va. Oh, tant mieux, je suis Demander des rassurée. choses. Ouf. Ça va alors, tout va bien. Par hasard, vous savez pas quelqu'un qui recrute dans notre âme? Quelqu'un qui recrute? Mais moi, j'ai pas de travail en fait. Ah, vous aussi. Ouais, voilà. Vous cherchez du boulot? Ouais, c'est ça, parce que j'ai plus rien dans mon compte en banque, j'ai plus rien sur. Ouais, la vie est dure en ce moment pour tout le monde. Vu qu'ils ont fermé la ferraille, plus personne n'a de sous. Et je comprends pas pourquoi ils m'ont fermé. Ben, parce que si tout le monde travaille à la ferraille et personne ne travaille dans les entreprises, ça fait couler l'économie de la ville. Hein. Oh, je comprends, ouais. Du coup, c'est mieux d'aller se trouver un petit poste sympa, mais il y a des postes sympas. Après, je crois connaître quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Au vin, ils cherchent toujours des ouvriers. Vous avez essayé de faire du vin? Faut produire les bouteilles, tout ça, tout ça. Ça vous Non, j'ai intéresse? jamais essayé. Ouais, pourquoi pas. Je vais essayer de trouver son numéro. Attendez. J'ai pris un médicament lysopaïde, vous m'entendez bien? Vous avez comme un petit chat dans la gorge quand même, hein. Ah, beaucoup. Bon, ça va, on comprend ce que vous dites quand même, hein, mais ça s'entend. Et encore à la pharmacie. Je suis en train de chercher pour Lévin, mais alors du coup, j'ai pas le numéro, mais si vous savez où elles sont les vignes, peut-être vous pourriez aller voir là-bas. Ça s'appelle comment? En fait, c'est pas indiqué sur le GPS, mais attendez, je vais vous expliquer ça. Ouais, mais viens avec moi. Ah, c'est super dur à expliquer par contre. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a un parking. Comment il s'appelle ce parking?
Tiens, tous les parkings sont pris quoi. On a... attendez, je vais bouger ma voiture pour que vous puissiez sortir la vôtre. Merci. Ouais, il a une voix de robot, ouais. Il doit avoir un petit problème de micro, mais je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Monsieur ? Montez, je vais vous emmener. Ah, d'accord, merci, c'est gentil. Parce que je saurais jamais vous expliquer. De toute façon, ça tombe bien, je suis sur une enquête en ce moment et je dois retourner dans ce coin-là. Donc... Quoi comme enquête ? Vous travaillez dans quoi ? Bah, je travaille pas moi, mais genre, il m'est arrivé un truc bizarre sur les routes de ce côté-là, donc je suis parti voir. Ah ouais ? Vous êtes. Enquêtrice. Enquêtrice. Un petit peu. Bonsoir, monsieur. Ah ouais. Ah, ça va ou quoi, Lila ? Ah, mon côté ? Enchanté ? C'est Lila, on est d'accord. Ouais, c'est Lila, ouais. Tu t'appelles pas de moi. Monte avec. Bah, avec ton truc sur la tête, c'est difficile de te reconnaître. Avec Cassador à l'hôpital. Tu t'appelles, on t'avait fait voir le plastique qui c'était là. Le plastique. Oui, c'est ça, je me rappelle. Merci beaucoup. Bah, comment tu veux que je te reconnaisse? T'as ça sur le visage. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, t'as trouvé un boulot? J'ai pas trouvé de boulot, mais j'ai trouvé mon chat. Pourquoi? Merci Souko pour le follow. Mais j'avais perdu mon chat, ouais, c'est vrai, vous étiez pas au courant. J'avais perdu mon chat, mais je l'ai retrouvé. D'accord. Du coup là il y a ce monsieur qui cherche du travail, je voulais l'emmener voir où c'était les vignes pour qu'il puisse se renseigner. Merci pour le follow Souko. Ah oh, ok. Parce que j'arrive pas à lui expliquer verbalement où c'est, donc j'en suis un peu perdu. Ouais, fais gaffe. SCP qui continue à durer des choses étranges, ça va alimenter notre enquête, ça c'est génial. Ok, oh, bah tranquille hein, Lila. Bah ouais, j'espère qu'on se recroisera. A bientôt du coup. Ravi de vous avoir recroisé, puis encore merci pour le plastique, hein, même si ça a pas servi à grand chose du coup, mais... Problème. Parce que ça s'est fermé juste après. Bonne soirée, messieurs. Allez, bonne soirée. Moi, je vais vous amener là-bas, puis par contre, après... Ah ouais, sinon un taxi, on aurait peut-être pu vous appeler un taxi, ça aurait été peut-être plus simple. Le problème, c'est que j'ai pas du tout d'argent pour payer le taxi. Bon, bah, je vais vous emmener là-bas, de toute façon. J'espère qu'il y aura des gens, parce que... Et ça rapporte bien, les gens ? Ben, écoutez, d'après ce que j'ai compris, on est payé deux fois par semaine et si on travaille bien, on est bien payé, ouais, y a pas de souci. Je pense que. C'est pas payé par trajet ? Je sais pas du tout. Oui, oh, pardon, excusez-moi. Attendez, on va s'arrêter sur le bas-côté. Peur les gens comme ça. Ouais, ça fait peur un petit peu, mais bon. Hop, je vais rester dans la voiture, on va parler par la fenêtre. Oui ? Excusez-moi, vous l'avez acheté où, votre voiture ? Je l'ai acheté. Pourquoi vous voulez acheter la même? Vous vous moquez de moi? Bah non, c'est. Parce qu'en fait, je vous explique. On cherche des voitures comme la vôtre, après à customiser pour la course là qu'ils font dans le nord là. Ah! Pourquoi vous voulez me racheter ma voiture? Si vous me l'échangez contre une meilleure voiture, je peux peut-être voir pour l'échanger. Vas-y, on échange nos voitures si vous voulez. Sérieux? Celle que vous avez là en ce moment? Ouais. Ah bon, mais c'est quoi votre voiture? C'est votre mari, c'est ça? Non, c'est un ami que j'ai rencontré sur le parking, il cherche du travail, on vient de se rencontrer. Ah, c'est Mister Corde Vocale. Oui. Attendez, vous êtes prêts à m'échanger votre voiture là contre la mienne? Vous êtes sérieux? Non, bah non, quand même pas. Ah, mais après voilà, c'est... vous cherchez quoi comme véhicule vous? Bah, je sais pas, voilà, en fait... On cherche toujours le luxe, mais après... J'avais pas de sous, donc j'ai acheté celle-là, moi après une voiture un peu sympa, qui tient bien la route. Ah, vous êtes nouvelle en ville, c'est ça? Ça fait que quelques jours que je suis là, ouais. Bon, au pire, bah, si ça vous dérange pas, bah, je peux prendre votre numéro pour vous... Ouais, on peut faire ça. Ça marche. Dites-moi, c'est quoi votre numéro? Alors, mon numéro, c'est 983-582. Attendez, j'ai pas entendu. 900 combien? 983. Oui. 582. 582. D'accord. Je vais prendre votre nom et votre numéro. Moi, c'est Lila. Sinon, je décrocherai pas si je reconnais pas le numéro. Vous m'avez dit quoi comme prénom? J'ai pas entendu. Lila. Lila pas. Ouais, Lila. Vous m'entendiez bien quand je parle ou j'ai un chat dans la gorge? Ah aussi, oui, moi, vous peut-être. Entends... Non, ouais, bon. Ouais, parfois, ouais. Ouais. Et sans plus. Quoi. 68, 29, 82. Un petit minou, quoi. Bordel de gueule, Lila. C'est bon, j'ai noté. Et c'est à quel nom? Ouais, j'ai noté. Merci, Takenzar. Oh, monsieur Corbocal, bon. Je vous ai dit, allez à la boucherie hein, si vous voulez un travail. Ouais, mais je vois pas du tout le CV, c'est pour ça. C'est... Au pire, vous nous suivez, on vous montre. Hein.
Ah bah, au pire, sinon, parce que moi, j'ai des trucs à faire, au pire, je peux vous laisser monsieur et vous l'emmener voir à la boucherie, ouais, parce que... Ok, vas-y, y'a pas de problème. Comme ça, bah voilà, messieurs, il vous me jure, ça m'arrange. Bah écoutez, bonne chance pour trouver du travail, monsieur. Et vas-y, puis... Merci. Bah merci à vous, messieurs, pour la voiture. Bah plus tard, je vous rappellerai par rapport à la voiture. Ça marche. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Takenzar pour le follow. On m'entend toujours très mal en jeu apparemment, donc je vois pas d'où ça vient. Ça m'agace profondément. Crash le whisky. Mais un site ton micro sur tête, bah regardez en fait. Bah alors. Je vois pas. Donc là je viens de monter la réduction d'écho, mais elle était à 10, donc ça change rien. Le truc de relâchement, c'est pas ça. Ah, merci Witness, qu'on puisse continuer l'enquête. T'as déjà une piste pour l'histoire de l'accident? Non, Souko, mais du coup, on est reparti faire ça, parce que là, moi, j'aime bien aider les gens que je croise, donc là, on était parti pour amener le mec aux vignes, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper, ça m'arrange plus, j'avais pas que ça à foutre, en fait. Mais la balance vocale en moins. Ou ça, je trouve ça. Je suis désolée, mais je suis nulle, hein, donc il va falloir Il va falloir m'aiguiller. Parce que là, je suis à... Oh, Bios! On comprend rien ce que tu dis, Bios. Tu es un QWERTY. Ah, je t'aime. Là, c'est plus clair. Salut, Bios. Comment ça va? Bon, alors, du coup, les gars, je sais pas ce que je peux faire pour qu'on entende mieux. Mode capture, s'il y a plusieurs options. Il y a ça, direct sound et witness. Ah, du coup, witness. Witness, je te vois partout, tu me. J'ai mis automatiquement le mode le plus adapté. Je sais pas du tout quoi faire, du coup. Comment ça va, Bios? Mon périphérique, c'est Rod, hein. C'est mon micro. C'est bon, c'est le bon. Hein. Bon, écoutez, apparemment, il a dit qu'il m'entendait bien quand même. On va laisser comme ça. On va continuer à écouter comment ça se passe. On va demander aux gens comment ça se passe et tout. On va demander à Dyson s'il y a toujours un extrait du... Les Cunu cannibales. Ça s'appelle être amoureuse. Ouais, le dénier, j'ai un problème avec ma capture de son, mais je pense qu'on va, voilà, on va faire comme ça, on verra bien. Moi, peut-être que le mec, il va nous échanger notre vieille caisse contre une voiture mieux, et là, on aura tout gagné, les gars. On aura tout gagné, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'échange ma petite cacahuète? Je commence à m'y attacher, mais elle se conduit tellement mal, c'est un enfer. Déjà, elle avance pas. Regardez, là, je suis au max. C'est un enfer, putain. T'as envie d'écrabouiller ta touche, là, pour que ça roule plus vite. Et en plus, regardez, à cette faible vitesse, j'arrive à perdre la route et à faire des trucs. Dakael, tu vois que toi aussi, tu penses que je devrais échanger? Bon, moi, je pense que je vais faire ça, voilà. Ouais. Il doit te manquer l'application du micro. Vas-y, Eldenia, peut-être qu'on essaiera de voir ça en live. Mais non, tu crois?
Ouais, au pire, j'irai me taper des vidéos comment bien régler son ROD. Peut-être qu'on fera ça ensemble dans le week-end s'il y a des moments où on s'ennuie un peu, ou genre où on n'a pas envie de jouer, ou qu'on préfère régler le micro. Là, on va en profiter, on va faire ça. Black Friday chez Luxor. On pourrait peut-être acheter des lunettes pour passer incognito quand on est Luan. On va aller voir combien ça coûte, mais à mon avis, c'est trop cher pour nous. Il y a peut-être des pilotes pour ton casque. Ouais, mais là, c'est pas mon casque, c'est mon micro ROD. C'est ça qui m'étonne un peu. Ah, ça tombe bien, on n'est jamais allé là-bas, donc on va aller voir ce qui se passe. 50% le moins cher si vous en prenez deux. Ah ouais, d'accord, il faut... Ah, Witness, tu vas te faire ban, mais d'une puissance. Salut Sunefix. La voiture classe, hein, tu trouves aussi? Yes, au top, on est parti sur deux enquêtes simultanées, là. Habitué au micro-casque? Ouais, ben en fait, j'en ai acheté un pour quand je stream sur la play, mais... Waouh, on a de la buée, de la fumée, de la vapeur, là, sur les... de la brume sur les routes. Comme la dernière fois quand on a eu l'accident étrange. Mr. Bean, ta voiture. Mais oui, mais le problème, c'est qu'elle avance pas, cette voiture. Du coup, on va peut-être l'échanger avec quelqu'un. C'est parti. T'as le Discord pour l'enquête? Ouais, alors du coup... J'ai loupé la sortie. En fait, soit tu... Bah, il est en dessous, sinon j'ai un petit modo bien aimable qui va balancer le Discord dans le chat, je pense. Et il y a un channel qui s'appelle Enquête SCP. Si, et, mais après, on va découvrir ça ensemble dedans. Mais si vous avez des trucs à rajouter dedans, allez-y. Ouah, il y a une jumelle. Non mais je sais pas, genre Edouard, ouais, il était là, bah depuis que je suis là et depuis que je suis patron, bah j'ai de nouveaux Gugus en homme, tu vois. Merci, merci Inès. Ouais. Merci. Du coup, Suzuki. Et tu vois, gars. Merci. Le sérieux ici en homme, c'est pas trop sérieux. Mais non, c'est pas une question de ça. T'as pas besoin d'être sérieux pour pouvoir vendre. Mm-hmm. Faut que tu sois chaleureux, courtois et poli. C'est largement suffisant. Ouais, chose que tu n'es Bonsoir. Pas, monsieur X. Bonsoir mademoiselle. En quoi je ne suis pas poli, mon cher monsieur? Vous m'enseignez? Et ouais, je suis venue voir un petit peu ce que vous aviez, mais je suis pas sûre que ce soit dans mes prix. Bah écoutez, je vais vous donner le catalogue et puis super. Comme ça, pour vérifier. Vous avez votre numéro Bluetooth? Alors en fait, regarde, sortez votre téléphone. Ouais. Alors, vous allez voir que... Voilà. Avec votre bouton, pardon, échappe, il y a un numéro qui s'affiche en haut à droite. Et c'est ça. Et ça, en fait, se relier directement à votre application. Ouais, en fait, il faut ne pas avoir le téléphone en main pour faire ça. Oui. Ah, pardon. Vous comprenez que... Voilà. Ouais. Et voilà, et en gros, vous aurez votre numéro en haut à droite. Ah ouais. 2238. Attendez, je vérifie. 2238, ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Je vous envoie ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais aller regarder au calme dans ma voiture. Allez-y. Regardez au calme. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez décidé ou fait votre choix. Merci beaucoup. Pas de soucis. Mais du coup, reprenons. Oui. On va aller espionner en plus. Quoi? Tu l'as trouvé où ta voiture? Où tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans le au marchand de voitures. Non, mais après, tu fais ce que tu veux, monsieur X, il n'y a pas de soucis. Hein. Monsieur Robert, je crois. Attention 75. Hein. Après ça peut passer à 80 exceptionnellement. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je cherche même pas à comprendre. Alors, ouais non, c'est regarder. Juste son pourcentage, il est passé de 65 à 70 cette semaine parce qu'il a fait tellement de conneries. Hein. Pardon? Ouais. C'est normal que je cherche pas où je dois aller pour voir le truc qu'elle m'a envoyé? Ah si, c'est bon. Pas du tout. Hop. Je t'en prie. Oh, regardez, on va regarder le catalogue vite fait ensemble. Je suis arrivée de l'endroit. Oh. Il s'est passé quoi? Ah, c'est pas mépris. J'ai vu Eldenia. Ah, c'est sympa quand même. Hein.
Après, c'est pas dans mes prix, du coup. Bon, nous, on était venus chercher des lunettes et il y en a pas. C'est pas les mêmes trucs que d'habitude, non? Ils ont modé des nouveaux bracelets, des trucs comme ça, non? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Elle dit j'espère que tu parles doucement, on l'entend plus que lui, c'est rigolo. Ah ouais, d'accord. Tu l'as acheté la voiture, tu l'as volé, je l'ai acheté, Snefix, mon personnage, c'est pas un voleur de voiture. Ça c'est la famille ça. Ah c'est une galère là, il m'a merde. Moi je bien en coin. On sort. Ça dit quoi là? Elle nous voit ridicule. Elle a vérité. Non, allez. On va se mettre plus loin parce que j'ai reçu un message. On va l'ouvrir tranquille. Pourquoi tu vas dans la catégorie femme? Quoi? 6 cas pour un bracelet en cuir, j'ai pas les moyens. Super cheap, bienvenue dans la famille. Bon écoutez, je vais aller me préparer pour aller dans le camp des culs m'infiltrer. Merci pour le follow, super cheap. Est-ce qu'on se change? Non, on va y aller comme ça, hein. Bon, du coup, maintenant, on a deux cartes SIM. Hein. N'oublie pas que Dyson est un violeur. Mais écoute, je vais t'avouer que Mich Mich nous a avoué qu'il avait menti, qu'il avait dit n'importe quoi pour le sperme de... comment ça s'appelle, là? Attendez, je vais noter. De Bozork. Il nous a avoué que c'était des conneries. Alors, du coup, on sait pas dans quelle mesure est-ce que les Bozork, il en a vraiment entendu parler. Elle pense toujours quand même qu'il est... comment ça s'appelle? Elle pense toujours qu'il est scientifique pour le gouvernement, mais que du coup il lui a pas dit la vérité sur l'origine du truc. Que du coup soit il lui en sait rien, soit il a essayé de la mettre sur une fausse piste. Et du coup, bah, vu qu'il a menti pour ça et que bah, le mec Dyson il a toujours été gentil avec elle, voilà quoi. Lila est naïve de croire Mich Mich, mais clairement, mais Lila elle est naïve de base. Merci pour le follow HDICV. Bienvenue dans la famille, toi aussi du coup. Je suis pas chaud de fou pour aller au camp des cunus. En revanche, on peut voir pour en parler. Ah merde, bon bah je vais devoir y aller toute seule au camp des cunus. Que je le vois pour récupérer l'échantillon. Bon, on va y aller tout seul du coup au coin des cunus. C'est hyper loin par contre. Bien sûr que j'ai remercié les follow, Witness. Witness, je sais que t'es pour troller, mais genre c'est un peu fort là aujourd'hui. Je t'avoue que ça commence à faire un peu trop quoi. Je sais que tu fais ça gentiment, mais. Quand ça fait beaucoup de reproches, même quand c'est du troll et qu'il y en a une pluie comme ça, tu sais, que ça m'amuse pas trop en fait. Ça m'agace plus qu'autre chose. Surtout sur des trucs comme ça, tu le sais très bien et tu le fais exprès. Oh, je te déteste. Non, je t'aime, mais. Tu sais que ça commence à faire un peu beaucoup là. Ouais. Du coup, je te demande de te calmer, s'il te plaît, petit canard, et de rentrer dans le droit chemin. On te déteste. En fait, c'est une vidéo du youtubeur Potatoes, là. Je sais pas si vous connaissez.
Va boire ton coca, mais oui, Witness, c'est ça que t'as pas fait. Il est pas allé chercher son coca, mais c'est pour ça qu'il est intenable comme ça. Il en manque de coca. Merci pour ton follow, Basile. Bienvenue dans la famille. Du coup, en fait, il est. C'est une vidéo de Patatous. Je trouve que ce mec, genre, c'est un des youtubeurs. Enfin, je crois que c'est même le youtubeur qui me fait le plus rire, quoi. Enfin, il y en a plein qui me font rire, mais lui, c'est un truc énorme. Et. Putain, cette voiture qui roule pas, c'est un cauchemar, putain. Ne pas aller là-bas comme ça, hein, avec cette caisse, hein, ça va être un enfer. Mais oui, Witness. Bien sûr. Du coup, on va essayer d'aller voir au camp des Cunus s'il y a quelqu'un. On va y retourner, j'ai trop envie d'aller voir. Et du coup, en fait, dans sa vidéo, il fait... genre, il met en PLS quelqu'un et à la fin, quand il a bien tout dit, il a mis un petit mème de Bob l'éponge qui se pointe et qui fait « On te déteste !» Et genre, j'étais broyée, quoi. Genre, c'est ça que ça m'a tellement fait rire. C'est vraiment le petit truc à la fin que, tu sais, le mec est déjà par terre, il en peut plus, tu sais, mais tu rajoutes « On te déteste !» C'est vraiment le truc qui veut tout dire, quoi. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Voilà pourquoi j'arrête pas de dire ça et de l'écrire partout. Et je vous retrouverai l'extrait. On le regardera ensemble tout à l'heure si ça vous dit. Ça me fait tellement rire. Salut donc, Kebleu, comment ça va? On regardera ensemble une vidéo de Patatos. Parce que je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, mais il est énorme. Rien que son montage, ça doit lui prendre des plombes. Et il me fait mourir de rire, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Bah, par contre, c'est à base d'insultes gratuites. Hein. Moi, ça me dit pas. Mais Witness, t'es tellement contrariant aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as Terranyania? Bon, alors du coup, on est parti pour aller au camp des Cunus. On va espionner avec notre voiture totalement discrète. Qui ne tient pas la route, bordel de cul, Lila. C'est insupportable. Heureusement, on a trouvé quelqu'un qui veut cette voiture. On va essayer de lui échanger. Attendez, je vais me mettre là. Ah ouais, mais je suis loin de tout, moi. Trêve de n'importe quoi. Bon, du coup, je voulais aller voir. Je voulais aller voir au camp des Cunus, mais autant récupérer le truc pendant que le laveur de voiture est là, quoi. Ils sont pas. Je sais pas combien de temps il va rester. Eh ouais, Souko, ça sent la magouille. On est d'accord. On va faire demi-tour parce qu'on ira plus tard au camp des Cunus, mais on ira. Sachez qu'il y a des gens qui ont investi le camp des Cunus, il y a des véhicules là-bas, il y avait des véhicules qui étaient fermés à clé, donc... Des véhicules qui coûtent cher en plus. Il se passe un truc bizarre là-bas, et le fait qu'on raconte que ce soit des cannibales et tout. Mais il y a quelqu'un qui les a rencontrés, il y a une fille qui est allée les interviewer. Moi, je veux rencontrer cette fille. Je veux savoir ce qu'ils lui ont dit et tout. Je veux absolument la voir, mais je sais pas qui c'est. Et je me rappelle pas qui m'avait parlé de ça. Je crois que c'était Gennaro qui m'avait parlé de ça. Je vais lui envoyer un message pour lui demander si...